Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano et la puce qui est vers là, là. Bonjour. Donc c'est pour une vidéo rapide pour vous dire que dès maintenant, donc maintenant, quand je dis maintenant, c'est qu'on est le 24 août, d'accord? Et que actuellement il est 11h17. Je fais une vidéo maintenant pour vous dire que ce soir, je formate mon ordinateur. C'est officiel. Donc vous n'allez pas pouvoir me voir pendant, on va dire, 24. Peut-être pas 24 heures, mais presque, parce qu'après il faut remettre l'ordi à jour, tout ça. Bref, c'est pour vous dire que donc je vais être absent le temps du formatage et de la mise à jour, et que pendant ce temps, on va faire une petite publicité. Il faut aller voir absolument le nouveau Walk sorti par la puce sur son compte. Donc, vous aurez les liens en dessous, évidemment, du jeu Beyond Good and Evil. Voilà. C'est quoi comme jeu? C'est un jeu d'action, un peu aventure, un peu à la Zelda, si vous voulez, avec c'est un jeu qui a été fait par Ubisoft avec un univers totalement, on va dire, un petit peu déjanté et tout, et créé de manière totalement magnifique, hein. Je peux confirmer, hein. Et donc voilà, allez voir ce Walk, c'est que le premier. Elle est toute seule, c'est son premier essai toute seule, donc il faudra être un petit peu indulgent parce qu'elle est stressée à mort pour faire cette vidéo, comme toute personne qui fait des vidéos pour la première fois. Même moi, je suis un exemple, hein. Ne t'inquiète pas, moi aussi j'ai eu ce stress-là. Et donc, et il y a une deuxième chose à aller voir, c'est donc le nouveau walk aussi qu'on a fait ensemble. C'est le walk de, attends, faut pas que je me trompe de le dire, Skylanders Spirals Adventure. Donc voilà, pareil, vous aurez le lien en dessous de la vidéo. Allez le voir parce qu'on s'amuse vraiment à ce jeu. Et avec la pléthore, un mot que je dis jamais, de figurines qu'on a, on peut vraiment se faire plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ces deux vidéos. Aussi, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, celle de la puce. Elle en a fait une, oui. Voilà. Sur nos pages Facebook, j'ai dit, Dailymotion, YouTube aussi. Hein. Je vais essayer de tout mettre tous les liens en dessous de la vidéo pour que vous ne puissiez rien rater. Et dernière chose, avant de partir, pour que j'en parle, j'ai créé une fiction, une fiction sur Inazuma Eleven pour ceux qui s'intéressent. Il y aura aussi les liens en dessous. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est une histoire totalement originale. J'ai créé mon propre personnage. Tout est créé. Et en espérant que ça vous plaise. Voilà. Salut tout le monde et à bientôt pour de nouvelles vidéos.